L'emploi des jeunes au centre du programme de gouvernance du candidat du RHDP à l'élection municipale à Agnibilékou. Siandou Fofana s'est engagé à changer non seulement le visage de la commune d'Agnibilékou, mais également créer les conditions pour occuper sainement les jeunes et les femmes. Faire en sorte qu'on ait à créer les conditions pour que les jeunes trouvent de l'emploi et donc déclencher un moteur de l'employabilité des jeunes en créant des projets, puisque c'est une zone avicole avec une zone agricole où nous allons mettre un accent particulier là-dessus. Enfin, les femmes, nous ferons en sorte qu'il y ait une maison de la femme avec les possibilités de mettre des fonds à la disposition des femmes pour que des projets et des micro-projets soient montés. Roger Mbia Mandjouga est le maire sortant de la commune d'Agnibilékou. Candidat à sa propre succession, le candidat du PDCI RDA au municipal se dit confiant car pour lui, son bilan plaide en sa faveur. Quand vous voyez une commune comme Agnibilékou, qui a un budget pratiquement de 400 millions, où le maire, avec son équipe, construit 5 marchés, construit 7 terrains de football, construit 6 foyers de jeunes, construit un abattoir moderne, font les reprofilages, construit 54 classes, envoie 3500 tables bancs, des logements de maîtres, des dispensaires, pendant que nous-mêmes on s'organise pour offrir des maternités à certains villages. Qui dit mieux ? Ils sont deux candidats en lice pour l'élection municipale.